Ok, welcome tout le monde et bienvenue dans la deuxième partie de Scrap Mécanique. Donc la dernière fois, il y a 30 secondes, je vous ai dit qu'on allait s'attaquer à la Jolate Mobile. Et bien c'est ce qu'on va faire. Vous connaissez la Batmobile, la Batmobile, la Papa Mobile, tous ces trucs comme ça quoi. Et bien vous allez voir que là, on va s'attaquer à du lourd, mon vieux. Batman à côté, il pourra se ranger avec sa caisse. Nous, on va s'attaquer à du lourd. Allez, c'est parti, let's go. On a vu les bases la dernière fois. On a vu les bases pour construire une maison. Donc c'est vraiment les bases, hein. D'ailleurs, la dernière fois, on a fait une petite roulotte. On va faire une bagnole, hein. Je vous parle pas d'une bagnole, hein. Je vous parle d'une bonne bagnole, moi. Un truc qui dépote. Let's go. On va faire le châssis. Un petit châssis. Tranquille. Ouais, genre déjà, ça, c'est pas trop mal déjà. Ok, vous allez voir. Pour le moment, ça a pas de gueule. Vous allez voir, ça va le devenir. Voilà, tac, ça. Impeccable. C'est pas bien symétrique. Il manque une rangée ici. À l'arrière, on va faire ça. Ok, tac. Ça. Voilà. Là, c'est pas mal. Là, déjà, vous voyez ce que je veux dire? Ça prend de la gueule, là. Tout doucement, ça prend de la gueule. Voilà. Disons que le principe est là. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la lever et nous allons installer les roues. Donc, pour ce faire, on va commencer par installer les joints. Vous savez que la dernière fois, on a vu les bases pour la direction. Hop. Surtout, bien connecter les cubes aux joints. Sinon, ça marche pas, les gars. Si vous faites pas ça... C'est foutu. On va mettre des suspensions, tiens. Et on va mettre des suspensions sport. Ça va être le délire. Tac, tac, impeccable. On va faire pareil à l'arrière. À l'arrière, on met pas les joints. On veut pas que les roues tournent. On va mettre... Merde. Tac, on va la mettre là. On va mettre de la suspension. Impeccable. 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 Et encore impeccable. Impeccable. Ça, on va mettre les joints. Là. Là, là, là. Alors regardez la gueule que ça prend. Quand je vous dis que la Batmobile, elle va pouvoir aller se ranger, les gars. Bah, je peux vous le dire. Ça va être un truc de malade mental. Alors, qu'est-ce qui se passe? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Merde, bah, des fois, il y a des petits bugs, ça rentre dans le sol. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. Voilà, alors. Elle a pas de la gueule, ma caisse. Par contre, elle est légèrement haute. Alors, vu qu'elle est haute... Vu qu'elle est haute, c'est la merde en fait. C'est pas encore trop grave. Donc, ce qu'on va faire, on va se poser le siège conducteur ici. Ah bah voilà, regardez. Et direct, dès qu'on pose le siège, ça fait du poids. Hein, alors, ça prend pas de la gueule là, petit à petit là? Bon, il y a un peu plus de poids à l'avant, mais après, on va remédier à tout ça les gars, vous inquiétez pas. On va poser un moteur à l'arrière, bah en plus, ça va équilibrer le poids. Impeccable. On va prendre nos connecteurs. Voilà, on va dire au moteur d'alimenter... Les roues, impeccable, impeccable. Ça, ça va être pour la direction, impeccable. Je crois que la direction, on va la changer direct parce que d'entrée, elle va pas être dans le bon sens. Est-ce que c'est pas mal? Ouais, yes. Regardez, c'est pas mal là. Ok, le moteur, on va l'alimenter au siège pour que justement, quand on monte sur le moteur, ça démarre automatiquement. Et la puissance, on va la mettre là, hein. Tant qu'à faire. Et c'est parti. Qu'est-ce qui se passe? Oh putain. Ah oui. Je sais ce qui va pas. Ce qui va pas, c'est que les roues ne sont pas dans le bon sens. Ça, c'est bon. C'est l'autre côté que c'est pas dans le bon sens. Ça, on va le changer de sens. Et ça aussi. Impeccable. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bah voilà, mon vieux, alors. Ah bah impeccable, alors. Qu'est-ce qui se passe, les gars? Bon. Et bah ça roule ça, c'est bon. Bon par contre, il y a juste un truc qui me plaît pas. C'est qu'elle manque de pêche cette bagnole. Disons qu'elle a pas la patate. Elle avance pas. Elle avance pas les gars, c'est pas bon. On va remédier à tout ça. On va faire en sorte qu'elle avance un peu plus vite. Donc pour ce faire, on va rajouter. On va faire comme ça. Comme ça, j'en ai mis combien? 1, 2, 3, 4... Ok, on va les mettre en face. Impeccable, on va rajouter des suspensions. Je vais la lever un peu. Ah, c'est de la mécanique les gars, hein. C'est pas scrap mécanique pour rien, hein. Eh ouais, ça aurait été du tricot, ça serait appelé scrap tricotage. Mais là les gars, c'est de la mécanique. Voilà, on va remettre des blocs. Tac, impeccable. Regardez ça le machin, putain c'est même plus une bagnole, c'est un mille pattes. Impeccable, des joints. Hop, on va rajouter des roues. Oh putain, attends ça, hop. Oh putain, j'ai... Je
J'ai pas très bien confiance en mon affaire, là. Enfin bon. Ça va peut-être être bon, hein. Voilà, on va la faire descendre bien gentiment. Impeccable. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter 2-3 moteurs, les gars. Si on rajoute pas de moteur, ça va pas assez vite, je pense. Alors ensuite, on va connecter un moteur ici, un moteur là. Putain, mon vieux, c'est un 12 cylindré, le machin. C'est un V12, les gars. C'est v'là le bordel, mon vieux. C'est l'engin de la mort. Ça. Ok. Je pense qu'on... avant de faire ça, on va connecter tous les moteurs au siège. C'est très technique, les gars. Hein. Voilà, impeccable. On va mettre tous les moteurs pleines patates. Et on va essayer, les gars. C'est parti. Déjà, rien que le bruit quand ça démarre, mon vieux. Je peux te dire qu'il en veut. Ça se sent. Oh, putain. Ah, il en veut. Alors, attends. Par contre, toutes les roues ne vont pas dans le bon sens. Ah, oui. Donc, forcément, ça. Voilà. Là, c'est pas mal. Alors, qu'est-ce qui se passe, les gars? Oh, putain, gars. Oui, on s'envole. On s'envole, les gars. Si j'appuie sur l'accélérateur, on s'envole un peu. Hein? Alors, les gars, qu'est-ce qui se passe, là? Alors, c'est qui a construit la jouette mobile, les gars? C'est moi ou c'est pas moi? Bah, j'ai envie de te dire que c'est moi, un petit peu, là. Oh, putain. Oh, tranquille. Oh, par contre, les gars, moi, il y a un truc qui me plaît pas, par contre. Il y a vraiment un truc qui me plaît pas, et c'est un petit peu le point faible. C'est que cette bagnole, elle manque un peu de patate, les gars. Elle manque de puissance. Alors, ce qu'on va faire, c'est que pour remédier à ça, c'est qu'on va prendre des réacteurs. On va prendre ça. Voilà, on va faire ça. On va mettre un peu de nitro parce que clairement, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça manque clairement de patates. On va en mettre 4 comme ça. Les gars, je peux vous dire que Fast and Furious à côté, c'est du pipi de chat, les gars. C'est pas trop mal. On va en rajouter un comme ça et on va en rajouter 2 comme ça. Puis on va en mettre un là, tiens. Là, c'est pas mal. On peut en rajouter sur les côtés comme ça. Ça fait stylé, franchement, sur les côtés. Là, je pense que c'est encore pas trop mal. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va relier les réacteurs au siège. Voilà. Tac, hein, ça c'est pas mal. Voilà. Là, ça va faire un petit peu de nitro, je pense, les gars. Et après, on pourra peut-être s'envoler, les gars, avec la bagnole carrément. Ça va être un truc de malade, je vous dis. J'ai pas encore testé les engins volants, hein. Franchement. Alors en même temps, guettez, hein, pour ceux qui commencent le jeu. Ça vous fait un petit tutoriel, hein, comment faire une super Batmobile. Voilà, ça a de la gueule. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Oh putain. T'entends ça? T'entends le bruit quand ça démarre, mon vieux? Alors, qu'est-ce qui se passe? Oh putain. Hein? Là, ça avance un peu plus déjà, là. Là, ça avance, là. Allez, vers l'infini, le delà, mon vieux, c'est parti. Oh putain. Oh, c'est rien, les gars, c'est rien. Vas-y. Merde, attendez. Merde, je me suis loupé. On va la remettre debout. Vas-y, on va faire un tour, c'est parti. Alors, qu'est-ce qui se passe, les gars? Qu'est-ce qui se passe? Regarde donc, mon vieux. Il a les bras élastiques, le bordel, mon vieux, c'est Elastic Man. Alors, qu'est-ce qui se passe? Hein? Alors. Regardez ça, il a les bras élastiques, le machin. Eh, franchement, alors, qu'est-ce qui se passe, les gars? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Alors, les gars, ça avance. Merde, je suis coincé. Et là, c'est pas mal. Là, c'est pas trop mal encore. C'est pas trop mal. Disons que c'est pas le top, mais c'est pas trop mal. Disons que je verrai qu'un défaut. Je verrai un défaut sur la bagnole. Mais franchement, juste un petit. Là, elle est encore pas trop mal. Mais il y a vraiment un léger défaut. C'est que franchement, les gars, elle manque clairement de patates, cette bagnole. Elle manque clairement de patates, cette bagnole. Donc, c'est pour ça qu'on va rajouter 2-3 réacteurs. Histoire que... on se mette bien. Vous voyez ce que je veux dire? Ça manque un peu de patates. Et ça, c'est vrai que c'est le défaut de la bagnole. Elle manque de puissance. Voilà. Mais sinon, elle est quand même déjà pas mal. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter 1, 2, 3, 4, 5, 10. Ok, ça, c'est pas mal. 10. Donc, on a rajouté 20 réacteurs. Donc, je pense qu'au niveau de la patate, on devrait gagner un peu, je pense. Ça devrait le faire. Mais de toute façon, si ça manque de patates, je pense que j'en rajouterai un petit peu, vous inquiétez pas. Donc, on va relier bien sûr tout ça. Alors, je sais pas encore si on va décoller avec ça, hein, parce que j'ai pas encore testé, je vous dis, les engins volants. Je sais pas comment que ça va se passer. Là, ça commence à être le bordel au niveau de la connectique. Hein, quand je vous disais les Lego techno et tout ça, c'est ça, on y est, les gars. Donc, alors,
je pense que... Oh putain, avec quoi que tu montes dessus, mon vieux, on sent le bourrin, hein. On sent le bourrin, hein. Alors, qu'est-ce que c'est, toi, putain. Putain. Ah, peut-être... Elle est pas mal, elle est pas trop mal. Pas trop mal, franchement, pas trop mal. Allez, c'est parti. Allez, let's go, c'est parti. Oh putain, gars. Ouais, oh, okay, c'est parti. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas trop mal, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Et on va la mettre droite. Et moi, les gars, moi je pense que j'y donnerai encore un défaut, juste un défaut à cette bagnole. Juste un, mais un petit défaut. Elle manque de patates quand même. Elle manque de patates. Non, non, au niveau de la patate, clairement, on est pas mal. Ce qui va pas, c'est qu'il y a trop de poids à l'avant, les gars. Donc ce qu'on va faire, on va rajouter un peu de poids à l'arrière. 6, 7, 8, 9, 10. Je pense que ça va répartir le poids, les gars. Donc on va bien sûr connecter tout ça. Attendez, je vais monter pour connecter tout ça. Parce que franchement, là, comment que c'est le merdier, là, les gars. Ah bah là, les gars, Fast and Furious, il peut aller se ranger, les gars. Là, clairement, j'ai relevé le niveau, là. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne? Bon, bah, c'est pas encore trop, trop mal. C'est pas... Oh, putain. Seigneur. Seigneur, mon Dieu. Allez, vas-y, c'est parti. Ouais, ouais. Là, le poids, il est réparti, les gars. Là, il est réparti. Là, il est réparti, les gars. Je vais la remettre droite, mais c'est dans l'idée. Le poids, il est assez bien réparti, on va dire. Allez, vas-y, c'est parti. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Voilà, ligne droite, c'est parti. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal. La patate est bien gérée. La patate est pas mal gérée. Je sais ce qui manque, les gars, sur cette caisse. Je sais absolument ce qui manque. Il manque des ailes, les gars. Il manque des ailes. On va en faire un avion. On va mettre un joint là. Des petites ailes tranquillement. Voilà. Par contre, ah ouais, les gars. Ouais, il nous faut un moteur électrique. Donc, ce qu'on va faire. Je vais mettre un petit moteur électrique. Je vais prendre un ordinateur et je vais le mettre là. Avec ceci, on va prendre un interrupteur. Là, impeccable. Les jointures, je les emmène là, là. J'emmène l'interrupteur sur le moteur. Et Putain, je suis perdu là, les gars. Je suis complètement perdu là. Ah oui, l'interrupteur sur l'ordinateur. Alors, est-ce que ça va décoller, mon vieux, cette affaire? Ça décolle ou quoi? Ah, ça décolle un peu, hein. Regardez, regardez, regardez. Regardez. Regardez ça. Hein? Regardez. Regardez. Hein? Regardez. Je pense que le poids n'est pas bien réparti partout. Il y a peut-être un peu trop de réacteurs. Ou pas assez, sûrement. Oh putain. On va prendre la bosse, là. La bosse de maïs, là-bas. Allez, c'est parti. Ouais, yes, ça marche. Regardez. Regardez ça. Hein? Regardez! Regardez, les gars! Clairement, on est en train de s'envoler. Alors, on s'envole jusqu'où comme ça? Eh ben, je sais pas. Mais, en tout cas, putain, tourne! Merde! Oh, les gars, on pique du nez. Je crois qu'on est arrivé en bout de map. On est arrivé en bout de map, les gars. Faudrait bien que j'arrive à décoller un peu l'autre côté. On est complètement bugué, les gars. On est complètement bugué. Là, c'est pas mal. Donc, vers l'infini et l'au-delà, les gars. C'est parti. Oh, putain, mon vieux. C'est parti. On va décoller, les gars. C'est parti, on va décoller. Regardez ça. Regardez ça. Je tente la dernière ligne droite, les gars. C'est parti. C'est parti. Allez, décolle. Vas-y, vole. Vas-y. J'ai pas fait tout ça pour rien. J'ai mis 3 heures à le construire. Il faut que j'arrive à faire un décollage. C'est parti. Ouais, regardez ça. Ça y est, les gars. Ça y est, on y est. On y est, les gars. On y est, regardez, on y est. On y est, là. Regardez ça. Regardez ça. On y est, là. Regardez. Hein? On y est, là, non? On y est ou on y est pas, là? Allez là, vas-y, avance. Ouais, c'est bon. Non, c'est pas bon, c'est pas bon, les gars. Allez, vas-y, décolle, vas-y, décolle. Vas-y, décolle, décolle, décolle. Vas-y, regardez ça, les gars. Regardez, on décolle, là. Hein? Regardez. On a décollé, là, ou pas?
Putain, les gars, il veut pas décoller, mon machin. Enfin, franchement, je comprends pas ce qui va pas. J'ai pourtant fait tous mes calculs, là. Ça devrait décoller. Donc, du coup, ce qu'on a fait, c'est que je vous ai montré les bases dans le premier épisode. Je vous ai montré la gelote mobile dans le deuxième épisode, avec un test pas très concluant. Va falloir que je reprenne ça, parce que franchement, c'est pas terrible, terrible. Et dans le prochain épisode, on s'attaquera encore à une autre construction. Je ne sais pas quoi encore. Mais on va certainement s'attaquer à du lourd. À du très lourd, les gars. Je vous le dis d'avance. Peut-être à une grosse maison, toute robotisée, ou je sais pas. Je sais pas du tout. En tout cas, si vous aimez cette série, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu. Ça fait super plaisir. Et moi, je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Et ciao tout le monde. Bye bye. Regardez ça, j'ai tout cassé, mon dieu. J'ai tout cassé.